monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pire que le reste. Et je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Bah, va, le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si toutes les fois que les hommes... Ah, monsieur, c'est le ciel qui vous parle. Et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende. Entendez-vous, monsieur? Qui ose tenir ces paroles? Je crois connaître cette voix. Ah, monsieur, c'est un spectre. Je le reconnais au marché. Spectre fantôme diable, je veux voir ce que c'est. Oh, ciel, voyez-vous, monsieur, ce changement de figure? Non. Non! Rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Et je veux éprouver avec mon épée, si c'est un corps ou un esprit. Oh, monsieur, rendez-vous à tant de preuves et jetez-vous vite dans votre partie. Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Alors, suis-moi. Arrêtez, don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Oui. Où faut-il aller? Donnez-moi la. La voilà. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne le mort funeste. Et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa fronde. Au ciel, que songe un feu invisible, mais beaucoup. Oh, je n'en puis plus. Et tout mon corps devient un brasier ardent. Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femme mise à mal, mari poussé à bout, tout le monde est content. Il n'y a que moi seul le malheureux. Mes gages. Mes gages.